que t'es prêt pour un G7 à casse exceptionnel? Exceptionnel. 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 Non, mais exceptionnel. Aussi exceptionnel. Bah ouais. Ce G7 à casse est exceptionnel aujourd'hui. Je vous présente la Honda Civic ED7. La Honda Civic est sortie en 1972. Ça, c'est si vieux que ça? J'étais pas né. Moi non plus. Là, on a affaire à la quatrième génération. Nous avons là la GTI, si on peut dire ça comme ça, de la quatrième génération. Plus tard, après, avec le restylage, est arrivée celle avec le VTEC. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans notre vidéo? C'est que c'est rarissime d'en trouver une 100% stock. Bah là, on l'a. Elle pique les yeux. Elle pique grave les yeux, elle brille. Comment t'as trouvé cette perle? Raconte l'histoire. En 2015, en fait, j'avais déjà une Honda Civic EK3. Je voulais me chercher une petite sportive pas très chère, avec pas beaucoup de kilomètres. Et en fait, je suis tombé sur celle-ci, sur le Mont Coin. Je l'ai trouvée sur Nanterre. D'accord. C'était une voiture qui appartenait à des papy-mamies. Non! Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, elle est pour moi. En fait, ouais, exactement. Elle est pour moi. Il y avait quelques petites bosses, des petites rayures, mais bon, voilà. Après, rien quoi, une voiture parisienne quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Comment on différencie une Civic normale d'une Civic ED7? Ça va aller très très vite, vous n'êtes pas prêts, ça va prendre quelques secondes. Bécane, ligne d'échappement, couleur des pare-chocs. Grosso merdo. Voilà, c'est ça. Donc les pare-chocs sur une Civic classique sont couleur plastique. Là, ils sont peints. Normalement, on a des enjoliveurs pour cacher les jantes en tôle. D'après ce que j'ai compris, c'est pas les jantes d'origine de D7 de base. Je sais pas d'où elles viennent, celles-là. Ouais. C'est une Civic qui a été importée en fait du nord de l'Europe, celle-ci. Donc, qui avait peut-être pas les mêmes options qu'en France. Les bavettes, c'est une grande question. On ne sait pas si c'est réservé à l'ED7 ou pas. Je pense que oui. Je pense que oui, mais ouais, ouais, je ne suis pas vraiment sûr. Si quelqu'un sait, il nous dit dans les commentaires. Le petit béquet qui est très joli et qui s'incruste très bien dans la ligne. Elle existait aussi en coupé, la fameuse CRX, ouais, qui avait le même moteur. C'est ça, exactement. Elle existait aussi en version shuttle, qui veut dire break. En 4 roues motrices, mais qu'avec des petits moteurs. Toi, elle date de 1991. C'est ça. Moi, donc, phase 2. Phase 2. Le bandeau Civic, c'est d'origine? Ça, c'est tout est d'origine, ouais. Ouais. On ouvre le capot. Attention, ah oui, mais attends, il y a la bosse sur le capot aussi. Et puis, on n'a pas dit que ça. Quoi? Le tout ouvrant, les full options, celle-là, tout ouvrant. Mais parce que, en fait, les Honda Civic pour l'Europe, et notamment pour la France, je crois, étaient full équipées. Et que la seule option, je crois, qui existait était la clim. Tu sais ce que ça veut dire, Civic? Pourquoi ils l'ont appelé Civic? Putain, j'ai découvert un truc. Ça veut dire citoyenne. En fait, ils voulaient faire une voiture citoyenne, civilisée. Eh ben, tu verras qu'elle est civilisée. Donc. Ouais, ou pas. Je viens de sortir une info exceptionnelle, là, sur putain. La du capot, quand même. Normalement, quand je sors une information exceptionnelle, on fait un saut de biche. Exceptionnel. Donc, nous avons un 1.6 Atmo. C'est ça. C'est un D16 A9. Honda Motor Formule 1, donc F1, parce qu'ils faisaient de la Formule 1 à l'époque, Honda, a mis son nez dans le moteur pour l'étudier. Il est full stock ou pas? Juste un filtre à air sport pour que ça bouffe un peu d'air frais, mais... Ouais. Mais c'est tout. Est-ce qu'au niveau du châssis, t'as modifié quelque chose? Juste des ressorts courts pour gagner un peu en efficacité. T'as vu une vraie différence? Ouais, quand même. Ouais. Quand même, j'habite sur des routes de campagne et ouais, à l'époque. Ils étaient réputés pour être très fermes, ceux d'origine. Alors, je me souviens pas très bien. Ouais. Parce qu'elle n'est pas restée longtemps en hauteur d'origine. Moi, ce qui me choquait le plus, c'était surtout visuellement où en fait les CRX et les ED7, ouais, c'est un 4x4 en fait. Ah ouais, ça faisait, ouais, il y avait ça. Mais comme une 205 GTI d'origine, hein, c'est assez haut. Hein. J'ai mis des ressorts courts en moins 5 cm quand même. Mais ouais, malgré tout, j'ai gardé un petit confort quand même. Ah, quand même, ouais, un reste petit quand même confort. Assez confortable. Et les freins sont aussi d'origine, on avait des ventilés à l'avant, je crois. C'est ça, c'est ça. Un disque avant ventilé devant. Alors dès que je l'ai acheté, j'ai tout changé parce que comme elle roulait pas beaucoup, oui, j'avais peur de voilage et puis comme j'allais taper dedans, voilà. J'ai juste mis des disques et plaquettes EBC avant arrière. Oui, quand même. En black. Ouais. Mais, alors là, le seul défaut que je lui ai trouvé pour l'instant à ce niveau-là, c'est le freinage qui atteint vite ses limites en fait. Ah sur bon le D7, ouais. Parce que pourtant c'est hyper léger, ça fait ouais, quoi 915 quand on kilos attaque, quand on attaque, ouais, les freins arrivent vite à leur limite. Siège baquet, on tient à le dire. Complètement d'origine et qui, ouais, qui maintiennent vachement bien pour leur époque. Elle est full stock et neuve. C'était avec pas mal, hein. Le petit autoradio cassette d'origine, Blowpunkt. Putain, et t'as les cassettes qui vont avec. J'ai sorti mes petites cassettes qui étaient chez mes parents il y a pas longtemps. Les packs techno. Puissance techno. Et ouais, les amis. Waouh. Merde. Nomads, mais oui, mais Ace of Base, All Saints, mais oui, ça c'est les années 90, ça mort. Ace of Base, oui, c'est... Oui. Oh, that you want, nanana. Ouais, je sais, je chante, ouais, super mal, j'en ai rien à foutre. Généralement, c'est à moi qu'on pose la question comique ou chanteur. Mais alors là, par contre, franchement, tu nous as fait honte.
Oui, j'assume à 8000. Particularité de la mienne, c'est les vitres manuelles. Elles sont quasiment toutes en électrique sur les versions françaises en tout cas. Mais oui, normalement, moi, oui. En fait, ils avaient supprimé les manivelles et ils avaient mis deux boutons pourris là au milieu avec une découpe de merde. Ouais. Et c'était des interrupteurs genre de maison quoi. Ah. J'ai tout sauté, j'ai enlevé les câbles. J'ai mis 3 mois avant de trouver des manivelles. Ouais, et c'est mes manivelles d'origine. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça doit venir donc du pays d'où elle vient. Est-ce que c'est un klaxon japonais, gentil, civilisé? Surprise. Non, on a un klaxon presque de bonhomme un peu. Un petit peu plus grave que les japonaises d'aujourd'hui. Hein. Ouais, aujourd'hui ça fait un peu un poit-poit ridicule. Il y a un petit truc en plus, c'est ça. C'est quoi? Ça t'ouvre une trappe, ça te permet d'avoir de l'air qui arrive de l'extérieur. En fait, quand tu conduis, t'as de l'air qui vient directement ici. Ça t'évite de rouler les fenêtres ouvertes. La ligne, elle est d'origine? Sauf un petit tube, parce que l'intermédiaire, c'est introuvable dessus. À force de frotter sur les routes de campagne, un trou de 30 cm, ça fait mal aux oreilles à force. Ah, à force de faire le con, tu veux dire. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a oublié? Eh ben, moi je vais faire ma promo, on a oublié de dire à tout le monde de s'abonner. Ah oui, abonnez-vous. On a oublié de mettre le pouce, le commentaire. Activez la cloche, le petit commentaire. Voilà. Oui, oui, ça c'est hyper intéressant et hyper important pour nous. Non, c'est pas intéressant, c'est obligatoire. C'est exceptionnel et obligatoire. You must. Attends. Il faut s'abonner, c'est hyper important. Mais bien sûr, parce que nous... Plus vous êtes abonné, mais plus on va vous faire des vidéos exceptionnelles. Et c'est ça le truc. On fait déjà des vidéos exceptionnelles. Ouais, mais sur-exceptionnelles. Mais on fait déjà des vidéos sur-exceptionnelles. Sur-exceptionnelles. D'accord, ok. Voilà. Ah non, moi je suis très mauvais en saut de biche. Fais-lui un petit saut de biche. Moi je te fais pour l'abonnement. Moi je te fais. C'est pas un saut de biche, c'est un saut de. Tu sais. Oh, comment je vais me montrer quand je vais le mettre en montage celui-là. Je te fais le clap, moi. Je te fais le clap. Le clap des pieds. Exactement, bon, le c'est clap le moment des d'aller pieds. Rouler. T'as eu ton moment de gloire, je crois que et tout le monde va s'abonner. Et t'as encore oublié un truc. Quoi? Bah, John, on n'a pas le droit de lui faire un petit cadeau? Ah si, je vais chercher le cadeau. Bon. C'est l'heure du cadeau Carpoliche. D'autant plus que pour John, ça peut être intéressant. Parce qu'on n'a pas dit ce que tu faisais. Alors, je suis en train d'ouvrir sur Bourracha, pas loin de chez moi. Un centre d'esthétique automobile, donc pour faire nettoyage intérieur-extérieur, traitement carrosserie, du detailing. Donc... C'est un produit sur-exceptionnel. Cadeau pour toi. Merci beaucoup. C'est pour la policier, pour qu'elle brille, même si elle brille déjà. Mais allez, maintenant, on va rouler. Parce que t'es intelligent. Que je pèse une tonne. Ah ben oui, c'est mon intelligence. C'est ce que t'as là-dedans. Putain, j'adore Steven. Il a une répartie pour te fermer ta gueule. Enfin, Steven, tu sais pourquoi il vient de faire la répartie là pour fermer ma gueule? Parce qu'il sait qu'il va monter avec toi. Donc il dit, vaut mieux que je sois souple et que je sois sympa avec la chef. À ce qui paraît, vas-y. Quand je m'assois dedans, la voiture descend. Vas-y. Oh là, ça va faire des étincelles là. On frotte. Ah bah là, je crois qu'on est sur la jante. Donc t'es très intelligente. On y va là. On tourne. Tu fais un geste de ta caisse toute seule. Toi, tu veux pas y aller du coup? Bah, on m'invite pas dans ma voiture. Viens donc dans ton auto. Ils avaient réussi leur principe d'habitabilité. Ah bah, moi qui fais 1m83, regarde. Il est assis dans un monospace. Ouais. Même dans un scénic, il a moins de place aux jambes. Et ça me fait bizarre d'être côté passager. C'est une première, non? Ouais, une des premières. Ouais. Putain, la commande de boîte, elle est ferme. Ah! Ça faisait longtemps, ouais, sur tes vidéos. Oh merde. Bah, ça va, t'étais obligé de revenir, toi. Ça va? Tout se passe bien? Tout se passe bien. On disait que ça faisait longtemps. Hey. Ça va? Ça va. Ah oui, y'a pas de DA, putain. Eh non. Voilà. C'est la magie. C'est la magie, mais oui. Ah, sympa ce flou. Train avant triangulé et 4 roues indépendantes, nous avons normalement. C'est ça. Au niveau de la suspension. Ouais. Et ben ça, c'était un record pour l'époque. C'était vachement bien. Il y a beaucoup de Honda qui ont ça depuis très longtemps. Hein, ouais, cette configuration. Sur les Accord, même sur des berlines. Hein, ouais. Les Honda Accord, hein, ça fait pareil. Putain, mais déjà rien que là, c'est génial à commencer. Mes rapports de boîte préférés, c'est 2e, 3e. En tapant dedans, ouais, c'est là que tu t'amuses vraiment. Ça c'est sûr. Elles sont pas connues comme ça. Donc... Bah non. Mais Honda pour le châssis, ouais, pour l'efficacité, monter dans les tours. La montée dans les tours, en fait, ça. Tout est là. C'est, dès que tu veux doubler, tu repasses un voire deux rapports inférieurs. Et là, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Ça part. Dès qu'il y a eu le VTEC, donc 150 chevaux, 20 de plus, elle était aussi plus lourde.
la VTEC. Le moteur B16-1 est plus gros que le B16-1. Toi, elle est un petit peu... Il y a un à-coup un peu, hein, tu vois. Le... Oui, là-haut, tu sens que ça souffle un petit peu. Il y a aussi un tout petit roulis. Minime, mais il y en a un petit. Je sais même pas pourquoi je passe la 4. Ça sert complètement à rien. Exactement. Merci de me rappeler. Alors en revanche, au freinage, c'est assez marrant. Le train avant, il est bizarre. Tu sais, sur les freinages appuyés, le train avant, il s'assoit pas. Je sais pas comment te dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pas vraiment. Attends, je vais refaire. Sur les gros freinages, tu sens un petit peu de flou, tu sens. Voilà. Tu vois que t'as compris ce que j'ai dit, Steven. Tu te moques de moi. Sur un freinage appuyé, c'est quoi qui frotte? C'est les bavettes. Ah merde, j'ai cru. Oh, bon, ça va, c'est que les bavettes. De toute façon, ce qui est bien avec les bavettes, c'est qu'elles sont limées et au bout d'un moment, ça touchera plus tellement elles seront limées. Ouais, et puis elles te préviennent que tu peux toucher autre chose. C'est ça. T'avais pertinemment compris ce que je voulais dire, Steven, arrête de te moquer de moi. Sur un freinage appuyé, tu sens le train avant qui travaille. Enfin, ouais, ouais. Qui... Après, je sais pas à quoi ça peut être dû, je sais pas. Les cylindres blocs? Est-ce qu'il y a une barre stable à l'avant? Ouais. Les cylindres blocs de barre stable, qui peut-être sont fatigués, tu parlais de ceux de l'arrière. Visuellement, en tout cas, ils sont en bon état. Ouais. Mais c'est peut-être d'origine, hein. À la connaître par cœur, j'ai appris à la dompter en fait. Donc, tu t'es habitué. Je me suis habitué à tous les défauts que toi tu pourrais avoir. Je comprends. J'ai fusionné un peu avec moi si tu veux. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Et au final, pour éviter une sortie de route ou faire des bêtises ou que le cul joue un peu, je connais ses limites. Et, tu t'es adapté à la voiture. C'est plutôt ça en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Je me suis adapté vraiment à elle et pas l'inverse. Et tu sais ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment assis par terre. Le centre de gravité est vraiment très bas. J'adorais ma 205, hein, mais je préfère presque le comportement de ce moteur. Hein. Ça, c'est génial. Allez, vas-y, à ton tour. Let's go. Alors, la poignée n'est donc pas là, elle est là. Ouais. C'est presque mieux, parce que là, souvent, c'est comme dans les 4x4. Bah, t'accélères là où c'est dangereux, toi. T'es dingue. Ah, puis tu roules dans les bas-côtés. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Chaud, moi.
jamais tu freines. Là, tu peux quand même, hein. Un peu. Putain, mais comment ça tient le pavé? Mais en fait, c'est vraiment différent qu'une 205 GTI en termes de comportement. Tu sens moins le cul qui bouge. Ça doit être grâce à tes suspensions. Mais je pense, hein, de toute façon, les bras de suspension, enfin les roues indépendantes, de toute façon, c'est... Ouais, ouais, ça change tout, et vu qu'elle est rabaissée... Exceptionnel. Exceptionnel.